À 15 ans, Mathieu rougissait pour un rien. Qu'il ait à prendre la parole dans un groupe, par exemple, aussitôt, il piquait un phare. Les joues brûlantes et les copains se marraient. Avec les filles, c'était pire. Il suffisait qu'une fille le regarde dans les yeux pour qu'il prenne feu. Rouge tomate, la honte. Les garçons de sa classe s'amusaient à raconter devant lui les blagues les plus salées qu'ils connaissaient. Leurs copines jouaient à feindre de le draguer, et ensuite, quand il rougissait, tous criaient en riant « Pimpon, pimpon !» Lorsque la prof d'anglais lui demanda de lire un texte à voix haute, il devint cramoisi, précipita sa lecture, mélangea les mots, et quand la prof dit « Allons Mathieu, ne vous enflammez pas !» la classe éclata de rire. Il se retint pour ne pas pleurer, prétexta un mal de tête pour se rendre à l'infirmerie. On lui donnerait un cachet avec un verre d'eau, et pendant quelques minutes de repos, il serait à l'abri des moqueries. Il trouva la vieille infirmière en compagnie de sa future remplaçante, une jolie brune fraîche et timide, en stage depuis un mois, qui se faisait houspiller par la vieille parce qu'elle lambinait. Sous l'engueulade, la jeune stagiaire rougit violemment, posa ses doigts sur ses joues pour calmer la brûlure. Mathieu la dévisagea longuement, il souriait. Il venait de comprendre qu'à partir de ce jour, il allait avoir très souvent mal à la tête. I can't.